Allez, c'est donc à la pression populaire. 82, un beau chiffre. Je sais pas. C'est pas. C'est pas mon année de naissance. <laughs> bon. Non, j'ai pas démarré pile à... à la seconde pour vous épargner les bruits de... de la mascotte qui était en train de boire très bruyamment derrière. Donc, euh... voilà, je pense que là. Elle va se poser quelque part derrière. Ça va le faire. Non, non, moi, je ne je, je, je parle pas aux gamins. Qu'est-ce okay. que c'est -ce que ça <laughs> Bonjour, alors, euh, bonjour Tréguy, qui était là tout de suite, tout de suite. Salut Goose, salut Kios, salut Olivier Et salut à Dilopi ID. Je pense que c'est la première fois que, oui, effectivement, première fois qu'on qu te voit là. Sous le bienvenu. Euh, on va essayer de se faire un petit, euh, un petit calme du, du lundi, hein. je, je ne ferai strictement aucun commentaire sur la journée d'hier, c'est pas bon pour euh, ma tension. Euh, et en plus, en termes de contenu, euh, grâce à Olivier qui fait sa, sa petite émission souvent juste avant, il y a un sujet qui est revenu, donc euh, j'ai plein de choses à vous raconter aujourd'hui. On va essayer de faire ça... Euh proprement comme d'habitude en commençant par l'indispensable lien si vous voulez venir nous rejoindre pour euh, discuter d'un peu tout, tout ce qu'on évoque ici euh, et on en parle sur un hein, Discord euh, tous nos petits bricolages, codes, trouvailles alors malheureusement aussi toutes nos tentations d'achat euh, qu'on se lance les uns les autres malheureusement Salut Conduino, t'as vu hein J'ai eu le temps de mettre le lien sur le Discord juste avant que t'arrives hein j'ai été sage et puis, ben, on, va, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai pas forcément que des trucs extrêmement pointus aujourd'hui. Je me suis pas mal amusé. Donc, euh, voilà, je, je tenais à faire un, un hommage particulier à cet esprit maker qui m'habite et qui vous habite aussi. À savoir, il n'y a pas de raison que ça soit toujours forcément utile. Euh, mais voilà, moi, le, la tête de dragon qui se met sur l'autocuiseur pour faire cracher de la vapeur, je kiffe à mort. <laughs> Moi ouais, je trouve ça, voilà, c'est essentiel, ça vous paraît pas indispensable. Ma femme rigolerait moins parce qu'elle sait que j'en je suis capable de ce genre de choses. Ma chérie qui ne regarde jamais mes lives, je lui envoie un bisou tout particulier. Ça fait 30 ans aujourd'hui, jour pour jour, que nous vivons ensemble. C'est pas chouette ça. Mais la tête de dragon, je la kiffe, quoi. Je trouve que c'est exceptionnel. Non, je, sais pas, je sais pas combien de temps ça résiste le PLA mais, euh, mais, mais on s'en fout. <laughs> juste, 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 il y a un dragon qui crache de la vapeur sur la cocotte minute. Quoi. Euh, par contre, normalement, j'ai fait attention, vous devez pas... Je sais pas si elles sont en même temps dans les pas, parce que je ne l'ai pas activé sur le tweet. De toute façon, j'avais coupé l'audio là. J'ai toujours pas une combinaison idéale là, entre mes deux écrans et le micro. C'est toujours un peu entre les deux. Voilà, alors j'avais d'autres trucs, mais je voulais tout de suite aborder l'essentiel. Hop, grâce euh, donc à l'émission juste avant euh, d'Olivier, qui a eu droit à un joli cadeau. Euh. Alors, moi, je devais les avoir dans le cache, parce que j'étais dessus tout à l'heure. Voilà, le petit chat robotique euh, Nibble. Donc, c'est celui que Olivier a une page qui est dédiée. Et euh, bah j'espère que tu nous feras un petit compte-rendu, parce qu'effectivement, euh, c'est intéressant, parce que c'est un, un projet robotique, il y, y en a pas mal comme ça, euh, basé sur des, des servomoteurs euh, bah de petite taille, de petite puissance, mais pas trop cher, donc tu peux, tu peux envisager de faire effectivement des kits pas, pas hors de prix non plus, et puis monter des choses sympas. Et, euh, et leur astuce, c'est qu'on le voit là dans les... Dans les pattes, il y a des ressorts en fait à l'intérieur. L'idée étant de d'accompagner l'effort du servomoteur pour que quand on est en position à l'arrêt, euh, ben, il soit capable de de soutenir l'ensemble euh, sans, sans avoir besoin de trop de puissance. Les, les petits servomoteurs comme ça sont pas trop euh, sont pas trop costauds normalement, mais ça peut ça peut faire l'affaire. Et ce que j'ai vu en en regardant tout à l'heure le, le live d'Olivier, c'est que visiblement c'est quand même. Euh, je pense qu'ils ont bien choisi leur euh, leurs servomoteurs, vous allez en trouver des pelletés hein, sur AliExpress et compagnie, mais là je pense que ça a quand même un petit peu de la qualité, euh, ne serait-ce que parce qu'ils ont pris des servomoteurs avec des engrenages métalliques et non pas plastiques comme on a dans les, les premiers prix, moi j'en ai plein comme ça pour expérimenter et, euh, et ça doit je pense aider à, à fiabiliser l'ensemble, le, donc il y en a deux il y a celui-là et il y a Beetle qui est la version euh, chien qu'ils ont fait euh, après euh, donc on voit les deux hein. donc, les principes sont similaires sauf qu'il y en a un en, en bois euh, qui a été découpé à, à la découpeuse laser et l'autre c'est du... du plastique euh, donc je m'étais dit qu'il y en avait un qui était peut-être plus en termes de en termes d'électronique notamment qui était peut-être plus moderne et en fait euh... Alors, je vais zoomer un peu même si vous n'avez peut-être pas trop le temps de lire de toute façon quand je fais ça la... La différence entre le chat et le chien va se situer au niveau du logiciel visiblement, où il y a un module supplémentaire qu'ils ont appelé CodeCraft, qui est donc un, un module, je ne suis pas allé vérifier, mais ils disent Scratchbase, euh, qui permet de coder en, en bloc graphique euh, ce, que... ce que ce chien, ce petit robot va faire. Euh, dans les deux cas, il euh, y a une application Android ou iOS euh, pour servir de télécommande. Euh, après ils disent que c'est plus simple à assembler visiblement en termes de temps c'est plus rapide à assembler la version plastique j'imagine qu'ils ont optimisé les, les choses à clipser et autres mais sinon en termes d'électronique dans les deux cas c'est un, un ATmega328 hein, avec un un MPU6050 pour tout ce qui est la partie accéléromètre il euh, y a quand même des obligés, des petites néopixels s'il n'y a pas de LED ça compte pas ça marche pas euh, mais c'est le même matériel, je m'attendais à ce qu'il y ait un matériel différent, après ça fait, euh, ça fait sûrement le job et puis ils ont une, une carte spécifique hein, qu'ils appellent la NIMBORD, qui est la carte qui euh, va se charger de piloter les différents servomoteurs donc il euh, y a un certain nombre de choses dessus j'imagine autrement c'est euh, le même matériel Donc euh, voilà. euh, bah, ils précisent pas le type de batterie exactement dans les deux cas, c'est pas... Ça fonctionne pas sur le même système visiblement puisqu'il y en a une qui passe par du 3V7 et l'autre du 7V4 donc avec j'imagine des, des régulateurs ensuite mais avec le même matériel électronique je sais pas trop comment, comment il fonctionne. Ouais après euh, je sais pas ouais si c'est les mêmes cerveaux oui j'imagine c'est le même kit mais autant acheter le chien pour faire le, le corps du chat comme le dit tregui dans le chat. Je ne sais pas parce qu'il y a quand même un, un écart de prix euh, non négligeable entre les deux. Donc euh, malheureusement pour vous, je vous l'annonce tout de suite. Welcome to Tentation Land. Et puis sur le Discord, ça ne va pas se calmer. Euh, Puisqu'il y a euh, des vrais soldes ou des fausses soldes, on s'en fout. Le chien est actuellement dispo. Alors là, c'est leur site à eux. Hein. Après, il faut peut-être regarder, pas s'embêter et passer par des sites directement en France ou en Europe. Salut là. Euh, peut-être que c'est peut-être aussi bien de passer directement par un site qui aura géré les taxes pour vous et ça sera, plus, ça sera sans risque. Euh, donc il est à 279$ dollars au lieu de 329. Et si on regarde euh, Nibble... Ah, ça marchait bien jusque-là et ça se remet à ramer. Ah ouch le prix euh, pas tant que ça en fait goose parce que euh, il euh, y a vraiment de quoi faire dedans. à ah, 237, voilà, au lieu de 279. Il euh, y a quand même donc euh, une deux, Je sais pas comment il est articulé en face. Je sais pas si si c'est articulé dans un, un sens supplémentaire là, au niveau des, des jointures d'épaule. Des 380 sur GoTronic, ah ouais ça pique quand même là. Et j'arrive pas à voir combien il y a de servomoteurs en total, c'était peut-être dans la fiche. Je suis con, je vais les avoir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est pas un 3 articulations. Ouais. C'est la 32 à chaque fois. Le 8, 9, 10... J'arrive pas à voir où est le 11. Ah si, il y a la queue qui a un servomoteur, je pense. Donc c'est ça, deux servomoteurs par patte. Deux servomoteurs pour la tête et un servomoteur pour la queue du chat. Voilà, ça fait mal au portefeuille, mais euh, honnêtement, euh, si tu regardes euh, ben, rien que la partie euh, électronique, leur carte spécifique... Euh, le fait qu'ils aient un, un kit déjà calibré, euh, designé, bon tu me diras si as un imprimante 3D tu peux sûrement faire autrement, euh, plus le prix de sa moteur à peu près d'aplomb, plus les batteries, c'est pas scandaleux je veux dire, hein. ils, certes ils font de l'argent au passage mais euh, je ne pense, je, je pense pas que ça soit scandaleux et en plus on a on a Olivier qui, qui a pu commencer à le déballer et euh, il confirme que ça a l'air bien fait. Euh, moi, je vous le dis, euh, franchement, de tous les kits que j'ai vus, celui-là, il a l'air vraiment bien conçu. On a vu tout à l'heure pendant l'émission euh, avec Olivier la partie wiki. En plus, ils se sont vraiment euh, fendus d'une vraie documentation qui tient la route. Moi, je dis, euh, pour un kit, ça tient la route. Après, euh, oui, oui, en tant que vous êtes maker vous-même, vous pouvez vous lancer à le faire vous-même. C'est un, euh, un autre délire, hein, je suis d'accord. Hein. Je pense qu'on peut arriver à faire pour moins cher, mais. Mais je pense pas que ça soit euh, vraiment, euh, vraiment à, à, tomber le, à tomber par terre, le prix, après. Et oui, et à toute la conception. Moi, je dirais que la conception là, du, de l'utilisation de ces ressorts, ça qui m'intéresse, de voir comment ça marche. Après, euh, du coup, en regardant là, avec... Euh oh, je vais bailler, ça va, c'est lundi. Hein. <laughs> euh, au niveau des mouvements... Euh, c'est vrai que du coup, il euh, y a juste 2 degrés de liberté par patte, donc euh, j'imagine que pour tout ce qui est tourné, euh, ça va être par, euh, par glissement en fait. Euh, mais pourquoi pas, hein, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc oui, oui, oui. Pour un kit, je pense que c'est euh, pas mal. C'est pas mal. Mais ouais, ouais, les prix français me semblent un peu exagérés quand même. Je ferai le tour quand même, à titre de curiosité, bien entendu, uniquement. Je regarderai euh, ce, que, ce que ça donne. Euh... Une fois, une fois livré en France. Toc. Euh... Ça, c'était pas tout prévu. Donc j'avais pas fait mes petits liens. Euh... Hop. Oh je pense que la doc est uniquement en anglais, ouais, j'ai pas regardé. Je n'ai pas vérifié. On va aller vérifier. Je vous mets les liens de la, de la petite blague du dragon. Hop. Mais surtout. Hop. De quoi vous tenter en pièces pure Trégui, ouais, c'est probable. Mais faut se méfier. Hein. Je te dis euh, des, des cerveaux comme ça à 9G, là, euh, si tu en prends de bonne qualité, les prix grimpent relativement vite. Faut se méfier de, de, de ça. Euh, et ensuite, eh il y a le fait d'avoir à la fois euh, ta carte euh, avec ton microcontrôleur, mais aussi euh, tout, tout l'aspect pilotage de cerveau. Et ça, c'est vite pas négligeable non plus. Donc je vous ai, je vous ai collé les deux liens. Euh, au passage. Euh... Je vois qu'ils ont un truc, c'est toujours pareil, un truc euh, éducation, ah, voilà c'est ça, avec leur, euh, leur chien, leur version chien, euh, ils, ils proposent eff effectivement des choses adaptées avec euh, l'environnement un peu graphique, là. et après il y a de l'Arduino, et euh, je pense que la partie Python, il qui... ouais, faut que je regarde, je pense que la partie Python elle est en dehors en fait, on ne programme pas le... Le chat en lui-même c'est un c'est un Atmega, donc euh, on va coder en Arduino dessus pour le comportement et autres directement. La partie Python doit être euh, sous forme de télécommande par API en fait. Ouais, je voulais voir s'il y avait directement la, la doc pour vous la montrer, mais ce n'est pas par là. Euh... Est-ce qu'il y a le détail je pense pas que même même sur la fiche produit ils n'indiquent pas le modèle exact de servomoteur. Mais si on va chercher. Ouais, avec des avec des pignons, des engrenages en en version métallique. Euh... Ouais, ouais, n'est pas trop cher chez Oblicking. Euh... Ouais, ouais, c'est du... Sans compter les frais de port et tout ça après, euh, 6 et, entre 6 et 8... Euh... Entre 6 et 8 euros, euh, tu vois, t'en as 11. Euh, voilà. On sert au moteur à plus de 6 euros. Euh, voilà, Faites le calcul. Le, le kit est pas si cher que ça, rien, rien que pour ça, je pense. Hein. Rien que pour cet aspect-là. Donc, euh, B-Box, euh, je, sais, je sais pas. Non, il est peut-être pas connecté, il doit avoir du boulot aujourd'hui. Sache que si l'émission dérape, c'est grâce à ce sujet supplémentaire. Euh, aimablement fourni par Olivier et son émission juste avant. Euh, dans les petites choses que je voulais vous partager, je vais vous mettre le lien tout de suite, ça je l'avais prévu. Moi, j'ai kiffé ce stop motion de quelqu'un qui, qui construit, alors on verrait à, à l'arrivée, il construit une, une, une sorte de petite, euh, pas cagette, mais un... Si, oui, ouais, une espèce de grosse cagette pour transporter des briques de lait. Et en fait, il le fait sous forme de stop motion, où évidemment, ce n'est pas les, les gestes techniques qu'il a fait, mais je trouve ça super beau. De toute façon, je kiffe le travail du bois. Donc, euh, je vous mettrai... Euh, je vous ai mis cette référence pour vous aller vous faire le, le stop motion complet. C'est très. Euh, moi je kiffe. C'est voilà, deux minutes de plaisir, mais je trouve que c'est super sympa. J'adore. J'adore ce qu'il en a fait. Je, je vous laisserai euh, regarder. Euh, l'intégralité et à l'arrivée voilà ça fait une caisse de ce type là Alors, il dit qui c'est une caisse à lait euh, bon voilà l'objet en lui-même est déjà sympa je trouve mais là comme ça je trouve ça super rigolo voilà, c'était c'était bref ouais, elle est sympa la caisse au final hein. euh, l'autre truc que je voulais aborder j'en ai parlé pour ceux qui sont passés samedi j'ai fait un live euh, euh, D'ailleurs, on va parler de ça tout de suite après euh, dans ma série Calme Calm Kids, c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant. J'ai refait du, du arcade Make Code, mais j'ai refait un tour. Euh, donc c'est le lien que je vous ai mis. Euh, Pico8 euh, a sorti euh, une version euh, dans le navigateur qu'ils ont appelé euh, Pico8 Edu, et euh, j'avoue que j'ai pas fait de recherche derrière. Je suis assez surpris. Alors peut-être qu'ils ont déjà rentabilisé leur truc ou qu'ils sont déjà sur leur. Euh, ils ont un autre produit un peu différent qui fait de la 3D ISO, je crois. Que j'avais acheté aussi à l'époque, mais euh, je suis surpris qu'ils mettent à disposition parce que jusque-là ils essayaient de vendre quand même la licence de leurs produits pour en vivre. Euh, et du coup, euh, et du coup, ben le le, le pico est accessible dans, dans le navigateur. Donc euh, c'est la démo que j'ai fait euh, euh, pendant ce live samedi. Mais voilà, il faut savoir que le petit lapin sur le côté, il y a quelques aides pour démarrer. Il n'y a pas grand chose. Hein. Faut pas, faut pas rêver non plus. Hein. Les tutos sont les tutos de Picaway après derrière, mais c'est pas aussi intégré que ce que j'avais pensé. Le truc, c'est que tout le monde y a accès dorénavant. Et euh, tu as tout à fait raison, euh, Trégui, C'est exactement euh, ma réflexion que j'ai eue. Euh, je pense que je vais renommer un petit peu les différents segments de la chaîne. Calme, ça va rester calme, c'est l'émission de base comme à la maison, pas de souci. Le Calme Kids, euh, j'ai envie de trouver un autre mot. Alors on m'a suggéré euh, éduque, mais je suis pas fan. Éduque, ça fait rapport à l'école, donc ça, déjà ça plaît moins aux enfants et pour les adultes ça ne va pas les attirer plus. J'aimerais, je sais pas, euh, calme découverte ou enfin je sais pas. Je vais chercher un mot qui aille avec pour que euh, ça puisse concerner les gens qui ont envie de s'initier bah, au code, à tous les trucs que je fais euh, effectivement qui servent euh, aux plus jeunes. Mais franchement, faut pas se priver. Je pense que c'est l'occasion que tout le monde euh, bah, se lance dans ces, dans ces sujets-là. Euh, J'ai notamment fait un peu de... Je, 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 je creuserai, hein. je vous ai promis de vous faire un compte-rendu, j'ai juste commencé le, le Learn, Learn Godot euh, qui est en train de sortir à chapitre après chapitre, hein, que j'ai financé, que j'ai acheté. Il euh, y a des portions qui sont en, en licence euh, où on peut partager. Je vais vraiment lui demander, euh, j'aimerais bien, euh, je crois que c'est en cours, mais si on peut collaborer à la version en français, j'aimerais pouvoir le pousser euh, tout public en fait et m'en servir aussi. Euh, oui, pourquoi pas, calme pour les nuls, mais j'ai peur de tomber sur du copyright après de conneries, mais ouais. Euh, ouais, tout ça pour dire que j'aimerais bien arriver à, à ne pas euh, freiner les, les gens qui souhaiteraient euh, démarrer. Je, je sais que de temps en temps, l'ami Vachaldo se pose des questions, il ne faut pas qu'il prenne peur, il n'y a rien qui fait peur là-dedans. Et, euh, et j'aimerais bien arriver à trouver un, un format qui accroche un peu tout le monde, parce que... Ben c'est du temps que je mets sur, sur mon temps perso, il n'y a pas de souci. Mais euh, du coup, si je peux arriver à toucher plus de monde et que ça intéresse plus de monde, ça serait génial. Euh, très clairement, les lives que je fais le samedi, je le sais parce que j'ai commencé à faire des stats, entre ce que je fais en live et le fait que je pose sur YouTube, ça a changé de public. Et malheureusement, au passage, euh, bon, j'ai gagné pas mal d'adultes qui viennent voir ces vidéos-là, et j'ai perdu les enfants qui venaient voir ces vidéos. Parce que c'est les vidéos qui font une heure, en fait. Et euh, c'est pas un format qui plaît au plus jeunes. alors du coup je me retrouve un truc à cheval en fait. Je ne sais pas comment m'en sortir de tout ça. Prise en main. Ouais, je sais pas. On va, on va, ouais, n'hésitez euh, pas. Bah venez venez sur le... Le Discord. Non, je vais vous faire comme ça. Le Discord de calme. Euh, venez partager vos idées sur ce, ce sujet-là, parce que bah, j'aimerais ar bien arriver à trouver un, un petit... Un, un petit truc. Donc oui goose, j'y ai pensé euh, faire des étapes. Euh, en fait, euh, puisqu'on est entre nous, hein, personne ne nous regarde, je vais vous dire la vérité, c'est si j'ai relancé ces émissions du samedi, d'abord c'est parce que le hasard du calendrier a fait que bah, j'avais le bureau pour moi, je pouvais vous faire un live tranquillement, mais surtout je m'étais rendu compte que depuis un bon moment je sortais plus vraiment les vidéos de tuto que je faisais jusque là, qui demandent pas mal de boulot de préparation et tout, et j'arrivais pas à caler suffisamment de temps. Et là, ben, j'ai en gros l'idée, je me lance, j'ai pas préparé, c'est pas grave, on voit mes erreurs, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai que du coup, j'ai moins pensé à l'avance, et il faudrait que je pense au moins au segment, comme tu dis Gouz. ce qui fait que si je pensais à l'avance au segment, je fais volontairement des pauses, j'ai juste un petit effort de montage à faire derrière, et je peux publier euh, au lieu de faire une heure de vidéo publiée sur YouTube, je le segmente en quatre euh, bouts de 15 minutes, et euh, pas de souci, ça passerait. Donc c'est peut-être peut la solution. Donc je vais essayer de faire ça, et puis bah, je vais essayer de trouver euh, dans vos suggestions ou autres un nom euh, qui puisse rassembler un peu tout le monde. Euh, et pas... Euh, et pas finalement, c'est pour les deux. C'est-à-dire que Calm Kids, ça infantilise les adultes qui voudraient essayer. Mais en même temps, euh, pour les enfants, c'est pas forcément valorisant. Je trouve qu'ils apprennent autant que les autres, donc euh, c'est pas, euh, pas forcément une bonne idée. Donc bref, il faut que j'essaye de trouver euh, un équilibre avec tout ça. Donc euh... oui, donc Goose. Donc pour ceux qui ne, ne suivent pas, je vous invite à suivre euh, la chaîne de Goose aussi, euh, où il fait des lives où il écrit un moteur de jeu. Donc c'est déjà un petit peu plus costaud, mais euh, c'est souvent effectivement segmenté avec des objectifs avant chaque émission. Mais ça veut dire qu'avant tu as pris le temps de te poser et de segmenter le truc. Donc euh... Bon, merci de rien. Tu peux me mettre le lien sur ta chaîne. C'est avec ton pseudo donc les gens peuvent cliquer dessus. j'y n'ai pas. Euh... Après dans le replay ils le verront pas forcément mais donc j'ai euh... O majuscule UZ underscore suivez l'ami Goose. et suivez l'ami euh, Ponceto. j'aime bien Ponc-O 91 Ponsetto euh, avec son émission qui nous suggère d'acheter de, des trucs comme ça n'avait pas assez acheté. <laughs> Il faut qu'on se suive les uns les autres. C'est des petites chaînes, on se fait plaisir entre nous, mais ça fait rien. Ça permet de diversifier les sujets. Ah ben peut-être un live ce soir, c'est une bonne nouvelle. Euh, a priori, je ne ferai pas de live ce soir. Euh, ce, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'était un jour un peu particulier pour moi. Je sais que madame, elle a un atelier à la MJC à animer, mais euh, on va essayer de manger quelque chose ensemble, tranquillou quand même. Donc c'est la reprise des lives de Goose, vous voyez, c'est. Oh, J'ai une exclusivité, c'est la classe C'est la classe. Eh bien, écoute, euh, j'essaierai de regarder ça. Je pense que ça sera sur le créneau horaire avant que madame arrive. Donc, on verra. Euh, on va continuer là. On va réussir à déborder gentiment. Tout va bien. Hop. Le petit lien suivant, c'est un tweet euh, de quelqu'un que je ne connaissais pas spécialement. Hein, Luke Holder. Euh, tac. Hop. Donc là. On va essayer de grossir voilà, la police de caractère. Euh... C'est un outil qui est intégré à macOS. Et franchement, moi, ça m'arrive régulièrement de me poser la question de savoir dans quel état est mon réseau à la maison. Donc là, je ne sais pas ce que ça va faire en même temps que je suis en train de... Voilà, je perds un peu d'upload quand même. Ça permet directement, c'est intégré dans macOS, une commande qui va vous faire un petit test de votre débit réseau montant-descendant. Et franchement, je trouve ça pas mal. Je savais pas que c'était intégré en fait à macOS. C'est intéressant. Euh, et donc là je me rends compte que la fameuse ligne que je paye relativement cher chez Orange, qui au début était en 1 giga symétrique, vous voyez, on en est quand même loin. Euh, sur le papier euh, ils se permettent de changer ce qu'ils veulent quand ils veulent mais je, je suis censé de quand même être normalement à hein, du 500 en download et du 300 en upload donc euh, peut-être un petit passage en boutique généralement ça, ça va tout de suite mieux mais bref j'aime bien ces petits, euh, ces petits tweets euh, til things I just learned c'est ça hein, la traduction things I learned et euh, voilà de savoir qu'il y avait un outil intégré alors, depuis macOS montré eh ben, moi je trouve que c'est pas mal. Pas besoin d'installer autre chose, et hop, ça fonctionne. Ça permet de savoir dans quel état se trouve votre réseau. Euh, je pense que maintenant, il n'y a plus personne que ça surprend. Vous savez que j'aime bien tout ce qui est dans ma ligne de commande. Euh, je vous mets le lien sur un projet qui s'appelle Navi. Euh, je l'ai vu tweeter, c'est sur Twitter, hein, que je l'ai vu aussi. Et je l'ai vu, dans ma... c'est là où j'ai réagi, que j'avais fait pas mal de choses autour du monde de la ligne de commande. Parce que j'avais enrichi ma timeline sur Twitter avec beaucoup de gens qui, qui tournaient autour de ces projets. Et j'ai eu, euh, je sais pas, 5 ou 6 personnes qui ont tweeté ça dans, dans la même journée. C'est un projet, Navi, qui va vous aider à utiliser la ligne de commande. Pour les feignasses comme moi, c'est parfait. Vous tapez Navi. Euh, la première fois, ça va vous demander si vous voulez installer euh, les petits fichiers d'aide. On va y revenir tout de suite après. Ces petits fichiers d'aide sont sur votre machine, donc sont éditables si vous voulez les enrichir, il n'y a pas de souci. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir taper une commande et ça va vous apporter l'aide nécessaire. Si je veux, moi il y a un truc, je sais, euh, je sais une fois sur dix dans quel sens ça se passe. J'inverse toujours source et destination. C'est con hein, quand on veut faire un, un simlink en ligne de commande. Euh, si on fait comme ça, vous allez voir qu'il vous permet de. D'avoir la ligne de commande telle que vous. Enfin, avec la doc exacte de ce que vous, vous pourriez faire. Et, euh, et c'est vrai pour un tas d'autres trucs. Alors, je ne sais plus. Euh, Est-ce qu'il y a les détails après euh, Je crois que j'ai juste passé par là. Je, je l'ai vraiment. J'y ai pensé tout à l'heure à la dernière minute. Avec Curl, c'est intéressant aussi. C'est un outil qu'on peut utiliser. Enfin, même si j'utilise plus l'outil HTTPIE. Euh, HTTPIE, pareil. Uh, curl est quand même l'outil qui permet de, de faire plein de requêtes quand vous, uh, vous voulez essayer des choses avec des API, uh, que ce soit les vôtres ou, uh, ou pas. Uh, C'est super intéressant parce qu'il y a tout un tas d'exemples, y compris, et je trouve ça assez rigolo, des exemples plus concrets pour choper la météo par exemple. Donc ils vous disent que vous pouvez taper uh, curl uh, avec la ligne de commande. Je me demande s'il n'y a, a, pas... a pas moyen de, de, de compléter encore mieux que ça, en fait, de mettre des... des... Ah non voilà, je continue de taper, c'est moi qui dis des bêtises. Voilà, si je lui fais ça, est-ce qu'il sait faire Vous voyez ce que je tape dans la deuxième partie En fait, il est en train de me compléter les paramètres. J'exécute on va voir s'il arrive à interagir. Voilà, c'est pas beau ça Un curl qui euh, récupère la météo et vous le donne. Donc à chaque fois, vous faites Navi, et puis ben, le truc que vous cherchez à faire et en avant. Donc, euh, je ne sais pas quels sont les outils que vous utilisez tous les jours, mais je sais qu'il y a pas mal de choses euh, autour de Docker par exemple. Euh, si vous ne vous rappelez plus euh, comment nettoyer euh, les images qui traînent, comment euh, euh, pouler une image d'une registrie. Euh, donc là c'est pareil, hein, il, va, il va vous demander euh, quelle image, quelle version, il va le faire pour vous. Et je trouve ça plutôt remarquable. J'ai pas creusé, il y a une gestion de votre historique également dans Navi. Donc, euh, je vous invite vraiment à visiter la, la page de euh, leur, leur, leur github, donc c'est valable pour tous ces OS. Voilà, j'ai la mascotte qui passe en dessous, le bruit que vous entendez c'est la queue de mademoiselle Jazun contente de passer à côté de moi. Donc c'est valable pour euh, tout un tas de, de package managers. Euh, pour macOS, moi j'ai utilisé Brew, hein, Brew install Navi en avant. Ça vous indique tout ce que c'est capable de faire, donc je n'ai pas du tout tout touché. Ça interagit, euh, j'avais aussi moi des, des, des outils qui étaient déjà préinstallés, mais il vous les installe avec Brew donc c'est pratique. Euh, que sont Alfred, il euh, y a aussi l'outil le, le, de fuzzy search, euh, de l'historique FZW, si je dis pas de bêtises, enfin bref. Il vous explique tout ça, et on peut créer des alias, on peut faire... Donc je vais vraiment m'y pencher, parce que c'est bien d'avoir les lignes de commande, mais franchement, un truc qui va vous assister, il euh, y a des fois, c'est quand même très pratique. Euh, la cheat sheet qui est derrière pour tous les outils, euh, au début on vous propose de la télécharger, mais euh, c'est un fichier avec une syntaxe que vous pouvez enrichir vous-même, vous pouvez contribuer et ainsi de suite. Euh, là aussi où j'ai beaucoup apprécié le projet, c'est qu'il vous indique toutes les autres alternatives. Euh, une que je connaissais déjà qui était TLDR, qui permet d'avoir les aides avec des petits exemples, c'est déjà pas mal aussi quand, quand vous voulez utiliser les outils classiques. TLDR va vous fournir des, des exemples d'aide sur d'utilisation, un peu une espèce de superman page en fait. Et, euh, et là, là, euh, voilà, euh, d'après eux, euh, le fait qu'il y ait cette cheat sheet qu'on puisse modifier à côté, c'est un avantage. Enfin, peu importe, je trouve ça. Euh, alors c'est inspiré en plus d'un personnage de, de Zelda de Ocarina of Time, ce qui ne peut que être un bonus. Et euh, <laughs> ouais, eh bien, euh, et bien, en plus, il y a le navire help pour, pour l'aide. Je, je, je vais juste euh, vous laisser explorer le truc parce que je l'avais noté. Je m'étais mis le signer l'autre jour quand j'ai vu que ça, ça tweetait sur ce sujet-là. Et euh, je, vais, je vais quand même explorer un peu parce que c'est vraiment typique. Euh, moi, personnellement, il y a des outils où j'ai le réflexe, il n'y a pas de problème. Il y a les choses que je fais tous les jours, je, 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 je l'ai en tête, mais euh, quand vous voulez rentrer dans le détail, même Curl que j'utilise beaucoup, enfin. Moi maintenant, comme je disais, j'utilisais... D'ailleurs, est-ce qu'il y a est HTTPIE Est-ce qu'ils ont un... un cheat sheet pour HTTPIE Ouais, c'est ça. Curl HTTP ou alors c'est le protocole Je ne suis pas sûr. Non, c'est que du curl. Ouais, HTTP, c'est parce que c'est le protocole. Je regarderai s'il n'y a pas des cheat sheets à rajouter après. Euh, mais même, euh, voilà, les opérations que je fais régulièrement, euh, le fait de... De se dire que cet outil on le maîtrise pas à fond, et eh ben en passant par ça, on peut découvrir facilement euh, par un exemple guidé, on peut trouver d'autres syntaxes qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser. Moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'ai kiff. Puis la ligne de commande, quoi, c'est je suis désolé, c'est mon côté vieux geek, je peux pas, je peux pas faire mieux. J'ai dépassé la demi-heure. Je, je pense que j'ai encore une autre idée en tête pour déraper encore pire. Ça se passe bien, donc on va continuer. Euh, un autre tweet que qui moi j'ai trouvé super intéressant. Et qui est intéressant en tant que tel, le tweet déjà, euh, j'avais des choses à dire. Et du coup, je me suis retrouvé à parcourir euh, la discussion autour de ça. C'est encore plus intéressant au final, vous allez le voir. Donc c'est quelqu'un qui a créé un, un jeu... Un peu comme les, les guitares ou les jeux de ce type-là, vous savez, vous devez reproduire quelque chose qui arrive, qui vous descend sur l'écran, vous devez reproduire ce qui se passe. Et là, ce que vous avez à reproduire, c'est euh, du code Morse. Et ça vous assiste, puisque ça vous donne euh, ce que vous allez devoir faire et dans quel euh, rythme vous allez devoir le faire. Et suivant, si vous le réalisez plus ou moins bien, vous voyez, chaque lettre se remplit. Mais euh, si vous n'êtes pas tout à fait dans le bon timing, elle ne se remplit pas à la perfection. Donc vous n'avez pas le 100%, il en a fait une espèce de jeu. Et là où c'est encore plus intéressant derrière, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Donc là, vous n'avez vous avez pas la surprise du coup, mais du coup, dans la foulée, il a montré le concept d'un meuble qu'il voulait faire pour présenter son, son projet Morse. Et à l'arrivée, il y a un vrai meuble, donc il vous montre le vrai meuble. Et il y a un vrai objectif derrière, puisqu'il a fait ça pour le Technisk Museum. Donc je ne sais pas exactement où ça se trouve. Nordgest, Spreksteg, Museum, c'est un pays du Nord, je ne sais pas lequel, peu importe. Et donc, c'est installé dans, dans ce musée. Et les gens peuvent jouer avec, euh, avec son truc de Morse, qu'il a fait, euh, son petit guitare héros de, de Morse. Et moi, c'est typique du truc, je, je trouve ça génial. Norvège, merci. Euh, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que euh, j'avais déjà vu des petits projets qui permettaient de gérer avec des microcontrôleurs tout ce qui était Morse. Il hein, n'y a pas de c'est pas des difficultés extraordinaires mais d'en faire un jeu comme ça je trouve ça super intelligent en fait bon, après la suite de cette timeline est moins, moins intéressante dans la discussion mais voilà je, je trouve ça vraiment bien alors il s'est il quand même euh, il a quand même pris le soin de prendre un vrai euh, pas comment on appelle ça un vrai petit appareil pour gérer le morse avec un, une manette adaptée au, au morse avec les ressorts qu'il faut et tout ça voilà moi je trouve ça génial je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sublime. Euh, et le dernier truc que je voulais vous montrer, quitte à déborder. Alors je vais tricher deux secondes. Je ne sais plus où je l'ai mis. Euh, hop. Je suis en train de rechercher mes propres messages sur le Discord. Allons-y, gaiement. Euh, S'il veut bien marcher. Hop. Voilà, hop, et donc c'est une combinaison. Et puis je le retrouve pas comme ça, au moins. On a eu une discussion. Euh, Monsieur Bibox a commencé à balancer du lien euh, à base de spectrum, une fois de plus. Il sait combien je suis faible. Euh, C'était pour me taquiner sur le, sur le fait que j'adore euh, le, le jeu Jetpack sur Spectrum et il avait vu un tweet qui, euh, qui utilisait hop, je viens de le retrouver, merveille des merveilles. Copier le lien, hop, ça va le faire. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais reprendre même carrément si j'arrive à trouver son tweet de départ. Hop, on va tout faire. Voilà. Parce que quand, quand on se moque de moi, je partage. Moi, bon, il n'y a pas de problème. Hop, J'ai mes deux liens. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est parti de ce tweet que Bbox m'a généreusement partagé. Yay Canaille. Sur le Discord de Calme. Je ne sais pas s'il y a besoin que je zoome. Et donc, on voit très bien un jetpack sur ce qui semblait être un Spectrum, mais j'ai tout de suite rebondi sur les références. Et évidemment, je suis allé à la source. <laughs> Il n'y a pas de raison. Et donc, voici le Omni 128 HQ Laptop qui est donc une sorte de Spectrum portable. Avec écran embarqué, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans la carte, je n'ai pas détaillé derrière. Euh, avec une sortie en RGB, en HDMI, euh, avec une carte Wi-Fi, un turbo euh, mode à 7 MHz. Donc voilà, on parlait du prix des kits, là on commence à être sur des prix nettement moins raisonnables. Parce que 200 dollars pour certes de la, de la passion à l'ancienne, mais quand même, là, ça commence à picoter un peu. Je, je, je me le mets de côté, on sait jamais, pour un prochain anniversaire. <laughs> Donc voilà. Un spectrum portable, n'est-ce pas, merveilleux Donc après, euh, la vraie couleur hein, en noir, après, ils ont fait des, des trucs un peu très jolis, hein, d'ailleurs. Hein. Un peu plus funky. Le bleu, il... ça, ça claque les yeux, là, le rouge, là. Waouh mais voilà, je, je tenais absolument à, à vous partager ce genre de petite broutille. Pas de raison. Euh, je vais essayer de ne pas oublier aujourd'hui de faire ce que je vous ai dit aussi au début d'essayer de faire euh, le relais de live en live entre chaînes, entre petites chaînes, entre guillemets. Enfin, oui, je suis une petite chaîne. Hop. Donc là, en même temps. Je vais essayer de pas vous péter les oreilles pendant que je fais la recherche. On s'est fait un petit... Allez, j'ai pas démarré à l'heure, donc ça fait moins de 40 minutes, mais on s'est fait quand même une jolie émission aujourd'hui, je pense. On va finir avec un raid. Euh... C'est un peu toujours les mêmes personnes à cette heure-ci en fait. On est une petite bande de jeunes, on se fend la gueule. Euh... Qui. Toc toc toc. Oh, du unreal, je sais pas trop. Je vais aller écouter ce qui se passe. J'y vais j'y vais en ninja, je vais, vous, je vais vous dire. Comme ça en plus je vous évite les pubs. Ah, il parle pas beaucoup et c'est tout en musique. Bon, est-ce que vous voulez aller voir un petit peu un petit peu de Unreal Engine Est-ce que ça vous tente On peut essayer ça. Allez, on va finir comme ça. Je vous prépare ça. Je sais plus. Voilà. Hop. Toc. Voilà. Eh bien... Euh je vous souhaite une excellente journée. Et puis, ben, ceux qui le souhaitent, vous n'êtes pas obligés. Hein, vous pouvez euh, me suivre sur, ce, sur cette chaîne où il y a, il y a pour l'instant euh, cinq personnes, je crois. Donc, on va aller lui dire un petit coucou. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente journée. Et euh, à très, très bientôt, bien entendu.